Laver ma gloire au vivant. Nous ma parole vivant. pour me servir mon Dieu vivant. Tout autant moins été vivant. Papa, nous qui dans le ciel là. Nous glorifions, nous non magnifions nos Père, Nous remercions pour parole. Et nous avons d'autant pris, Papa, béni parole ça. Et permettre à ce que chaque petit tour qu'il l'a joigné en parole, parole qui peut édifier, parole qui peut libérer, parole qui peut transformer, et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions au Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Et je dis à mes bien-aimés, non, non, dernier jour, troisième mois, année hein, qui c'est le mois des exploits avec Dieu. Et jeudi A, hein, le je, dernier jour a coïncidé à dimanche de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un exploit que le Seigneur, que bon Dieu, a fait naviguer tout le monde qui s'est levé bien vivant dans Mytham Moyo. Jésus. Jésus ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc, message, je dis, ah, c'est résurrection Jésus-Christ, c'est fondement espérance, non. Résurrection Jésus-Christ, c'est fondement espérance, non. c'est vrai, Libel, a proclamé que Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. c'est bien. Mais après, après célébration Pâques, là. Nou chante, nou non fè lektur, e euh, apre. Apre, nou atre la kay nou, e pi la vi kontinu. Apre, nou separe, e pi la vi kontinu. Oui, petète ke, a ou mouman ou a ou lot nan, e a kek moun gen do a mande nou, eske ou kwe, eske ou men mou kwe nan rezüeksyon. Ou ka mèm kote a demè ou, ou apre jounè an la ou ka bal kwa zon moun ki dou, esk ou kouè vreman nan rezureksyon an? E bon fabliye. E pou mèm moun pral di, oui, bien sûr, mèm kouè la don, mèm paske mse kretien. Mèm ou fon, goun ti vwa kap dou, ki sa sa chanje? Ki sa sa, sa chanje nan la vi ou koutidyen? Qui sa résurrection a changé? Qui ça le fait pour? Qu'est-ce que ça change de croire ou non que Jésus est ressuscité? Est-ce que message là? Hum, Est-ce que enseignement? Il n'y a pas déjà assez pour nous bien vivre? Réponse dans mes bien-aimés. nan jwen ni nan Nouveau Testament, e li sans apel. Pa gen tergiversasyon sou sa, pa gen yen e, 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 refleksyon, pa gen antre-soti, pa gen pikekole, pa gen toune oto du pou la don. Non. Repons nan li kler, si Kris ne pa resusite, notre fwa, se du van. La pe bon diyo ave yo. Si Jezu kri, pat leve bien vivan, nan mi tan moyo, sa nan pale la a, li patap min an yen, li patap gen oken sens, li patap vle di an yen. Eske pe bon diyo avem la? Se sa wii Paul ekri, noyar syo blan, kareman Paul dil, fok nou diyo mwen bien eme ke apot la, li renkontre, li fe renkont sa, renkont sa li fel avek Jezu vivan. Pe apre kou si fiksyon, e se sou renkont sa, a, C'est sous rencontre ça, sous, et, ça qui exploit ça, que lui fondait toute la ville ensuite. Toute la ville, toute la ville, toute transformation qu'elle a faite à partir de rencontre ça. Virage à 360 degrés qu'elle a fait à partir de rencontre ça. Jusqu'à ce qu'elle mourit. Alors, le pôle, tandis que... pa mi kretien korent yo, gen an pil la dan yo, ka pou remet an kesyon, mè bjen eme, la rezuriksyon uh, du kris. Li pa gen lot chwa, mè bjen eme, ke soti nan gon, li bondi pou l'bayo, an korentien, chapitre 15. E mesal ekri a ou sotan del, e sotapran, uivejusko uh, verse 26, an, Côté la chita résurrection hein, pour le prouver yo que Christ est venu, l'y mourir et l'y ressuscité. Quand elle dit frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée autrement, Alléluia, et telle que je vous l'ai annoncée autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis, avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même, le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Il continue pour nous. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il, il, il même aussi apparu à moi qui le méritait le moins. Bien aimé. Au verset 12, il dit :« Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas Gros débat. Au verset 13, il dit :« Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. » Bien aimé. Et si le Christ Ne pa resusite, nou n'avon riyen a proklame e vou n'ave riyen a kwa. Meni, resusite. Si l'pat leve bien vivan nan mitan mou yo, nou bagan ken rezon la pou nou kwe. Nou bagan ken rezon la pou nou pale jodi ya. Tout lot ki te vini avan li yo, tout lot ki te lase yo, yo tout mou ri e yo rite nan ton bo wa. Page yo ken la dan yo ki soti nan ton bo wa. Pas de la yo qui sorti. Tout sortant de yo, tout lot yotan de yo, yo prend pour Dieu, yo tout traité nan bois. Donc c'est ça qui fait fondement espérance non. Si Christ pas te lever vivant, et je dis à moi même avant, nous pas de ka dit, nous pas parler, nous pas pouvons pas exister d'ailleurs. Et au verset 16, il dit, attendez bien oui, au verset 15, il dit, de plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il continue vous dit, verset 16, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Et vous êtes encore plein, ou vous êtes encore en plein dans vos péchés. Mais met, bien aimé. Difficile pour arriver juste au verset 26, m'invite à faire Côté arriver au, au verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. M'encouragez à continuer lecture à lire tout chapitre là. Eh bien, mes bien-aimés, mais ça n'a pas claillé. C'est le fondement de la foi chrétienne. C'est événement, c'est exploit. ki bay tout sens a sa nou ye. Se eksploat ki bay tout sens a, a sa nou di nou ye, ya, ki, se, ki se kretien. Se eksploat sa, ki fe de nou sa nou ya, ki fe nou kapab kampe, avek tet nou rou, je nou kale, nap gade tout moun nan je, e pou nou di se kretien nou e nou fyer. Jan nou tap gade, l, jan apotre pol te dil, nan roumen li di ou, li pa wote l'evangil la. Parce que l'évangile là, l'évangile là, il là, l'autre objectif, c'est délivrer. Il n'est pas honte parce que son puissance, bon Dieu. Son puissance, mes bien-aimés. Me. Donc je dis, comprenez ah, bien, événement qui a tout sens à sa nou En ah. nous garder, en nous mesurer à quel point, même Jean à paul exposé là, c'est vraiment un événement qui qui plein d'espérance. C'est un événement qui changeait la vie, non C'est matin ça, c'est matin ça, c'est jour dimanche matin ça, jour ça, c'est lui-même qui changeait, donne. C'est un nouveau tour, non, mes bien-aimés. C'est la résurrection du Christ qui baille tout sens à lévangile Si Christ pas te bien vivant, si pas te sorti dans le temps moyo, ça, si roche ça pas te li les sorties, pas t'abgain gagner moi-même avant, nous pas gain, espérant ça. D'abord, regardez qui ça? Premier bagaille. Nous deux sont événements qui changent la vie, non? Donc, ça veut dire, résurrection Christ-là, les baille tout sens à l'évangile-là. Pas oublier l'évangile-là, c'est pas une parole. L'évangile-là, c'est une monde. Et ça fait d'abord, Paul affirmait, bien-aimé, avec force, il affirmait là que la résurrection fait partie intégrante du message de la bonne nouvelle. Il fait partie intégrante hein, du message de la bonne nouvelle. Si on retirait-le, Sou retirel, si se pa li mem ou vin pale, si se pa li ou vin di, si se pa de li mem, si se pa rezureksyon, si se pa li mem wap pale, si se pa li mem sou retirel nan mesaj la, ebyen, eh ou pa pkwe anye nan, kwayan sou an, la fwo la li vin itil. Ou pa gen anye pou kwe, sou retirel rezureksyon, ou pa gen anye pou kwe nan la. Parce que sans la résurrection de Jésus, l'évangile perdu tout sens, bien-aimé. Il perdu toute spécificité. Il perdu toute puissance li, sans la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui bat tout sens. C'est lui-même qui fonde le Pire que cela, si vous mettez l'espérance dans Christ uniquement pour vivre ça, alors, vous savez, nous ne pouvons pas De tout moun. Petète ou pral parete radikal. Ou petète euh, euh, un petit peu exagere. Apre tout, mèm san nou pa krouen nan rezueksyon. Jésus. Li rete nan fwa kretyen nan kek bagay ki bay sens a la vi nan. Mèsage fraternite ya. Mèsage l'amour. Eksempe, don de soya. Don de soya Jésus. Jésus bay li. C'est suffisant pour nous capables de joindre la paix et pour nous capables de vivre mieux avec l'autre. Paul dit non. Si l'espérance chrétienne ne concerne que la vie ici-bas, Paul dit c'est une espérance bien courte. La paix, bon Dieu, avec 80-90 ans, dans le meilleur des cas. Donc, et, li treyè insoufizant mè benemè pou lta pèmèt nou afrontè eprevyò. Desepsyon la vi ya. Dok presyon kotidyen nan pou nou reyussi la vi nou. Li rete. N ap koui, n ap fè la gè, n ap fè yon kous akou nou mèt la. N ap koui apre nou mèm, nou nou kous kontre la mont. Alo wè. Oui. ou kapab jwen de valeur, yon sans sot nte kapab dou nan yon kristianisme san rezueksyon, e an pil kretien vive, fwa yon mè bè némè, tan kou, tan kou, tan kou, yon pa genyen vwe. Men si Jezu nè pa resusite, la fwa se ki salvinye, la fwa kretien nan mè bè némè, li se yon sep metode de devlopman personel, jan nou wè la fèt an pil nan milieu evanjelik la. yo vin fè non, yo vin pote l'ba non, la fwa li vini e, e, yo metode de devlopman personel. Nan jan ke, an pil nan lider evanjelik yo a prezante l'evanjel la jodi ya. Pa mi an pil lot metode. Yo ansam de kwayans ki fe bien. Me, yo ansam de kwayans ki la pou chanje materyelman. Ka fobyen mais son bien-être physique, sans puissance particulière. Parce que mes bien-aimés, l'évangile-là, finalité, eh bien, il a ou? Et est là pour le délivrer, et c'est délivrer sans mes bien-aimés, il n'a pas porter l'autre bagaille, ou pas besoin de faire aucune autre méthode. L'évangile, le prêcher, prêché, il sait puissance pour le délivrer, et délivrer tout le monde qui croit. tout moun ki kwe la dan, tout moun ki kwe nan moun sa, ki se Jezou kri ki te vini, ki pren lan moun pou nou, ki resusite. Do pou ki sa? Pou ki sa n'oblije pren yon lot, out ke Jezou? Paske anseyman me bien eme, pa gen, se li menm ki pi bon, se sa li bay la, se li menm ki pi bon. C'est lui-même qui est bon. Résurrection, les vins nous. non, ils ont l'autre bagaille. Les vins offrir ils ont l'autre bagaille. Les invités, non, à fonder la vie présente, nous. Les invités, non, à fonder l'espérance, non, sur une so, intervention décisive de bon Dieu dans le monde, là. sous puissance, sous puissance vile, qui est capable qu'on y la victoire sous la mort. Et donc, transformer vraiment la vie, non Et l'ouvrir tombeau, non Mettez-nous dehors. Mettez-nous dehors. Mettez-nous dehors notre tombeau que nous y sommes. Oui. Résurrection Jésus, les à la foi, non une profondeur, mes bien-aimés. une puissance inégalée. Parce que les ouvrit ouvrir perspective, bien au-delà. De, 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 quel que soit le genre où tu es capable de mener la vie aujourd'hui, quel que soit le genre tu es capable de fonctionner aujourd'hui, Jean Calvin dit Il dit, avec la résurrection, nous avons une attestation pour aller infiniment au-delà des 10 km de notre vie actuelle. Il compare la vie actuelle, il pas dépasser 10 km de route. 10 km de, 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 de voyage. Donc, il dit, avec, avec la résurrection, nous avons une attestation, alléluia, pour aller infiniment au-delà des 10 km de notre vie actuelle. Et même si, bien-aimé, nous sommes arrivés, nous sommes capables goûter chaque moment dans le monde, ça un, un, un gros cadeau, bon Dieu, bon non, eh bien, il dit, non, que notre objectif ultime se trouve au-delà de cette vie. Objektif ultim nan lale o de la de vi sa. Sa kapap pare tanpil moun euh, euh, totalman abstres. Nou kompren sa. Le ou jen. Kase ou konen ki ou lor jen ou chajak tan devan. Lor jen se le sa ou wap gaspye tan. Wap fet tout dezodo konen gen. Paske ou jen. Lop ou gade. Out la ou el long. E ou wap e get tout tan devan. Wap fet tout gaspyej. Parce que aux jeunes, mais à mesure que année a passé bien aimé, à mesure que ou l'âge et puis ou a à quel point que la vie a coûte l'amour long. l'idée mais bien aimé de yon vie de résurrection, les vignes de plus en plus motivante, peut-être que l'arrivée dans l'âge. Ou pral rive koun yalad, ou pral eksperimente l maladi Alzheimer. E sa, le wap gade, le wap avanse nan laj, ou komanse ap realize gen de bagay kote kon fè a 20 an ou, gen de bagay kote kon fè a 30 an, rive nan 50 an ou, ebe ouweke li redwi ou pa kapap fè yo anko. Sa komanse pa fòpè. Petèk ke nou, nou, napote ko, nan ko a, a onseye de doule, ou kopren lor rive, nan 40 ten nou, koman se gonti se ide, doule kapantre nan ko a, rive nan 50 ten nou, ou we gonsen de ti baga kapantre nan ko a, ki pat la avan, ko a apredu, fizika apredu, ou kopren, mobilite a apredu. Men, kompren bien, sa ou kapap fwo pe, men paske, krisse, Mais bien aimé, est le premier-né d'entre les morts. jean apôtre Paul dit. Donc nous sommes capables de garder au-delà de ça. Donc, si on garde sous bout de ça, ce n'est pas la donne. Ce pas là pour garder. Parce que Christ vient ouvrir la voie à une vie. C'est la vie éternelle. Et avancer derrière, il prend devant pour nous. Pour nous-mêmes qui dit oui à appel, à offre ça que mon Dieu fait nous, pour nous capables de rejoindre une vie nouvelle, ça. Côté nous pourrons recevoir un corps tout neuf, libéré de toute maladie, libéré de la mort. Et ça que l'apôtre Paul dit, dans, le verset 26 là, eh bien, dernier ennemi, mes bien-aimés, le dernier ennemi qui sera détruit, eh bien, c'est la mort. Dou rezureksyon kris mè bin eme li garanti nou ke rezureksyon resu, res, nou Ke nou mèm nap resusite nan yon kon renouvle La pek bon Diyo ave yo Ka la rezureksyon de kris Ebyen li sè li an mèm tan tou Yon promes konkrete pou nou Kon nou nap resusite Kris resusite li leve bien vivan nan mitan mò yo Donk li vinman nou, nou menm, ki la jodi ya, garanti sa. Ke tout moun ki mouri, sa ki mouri, ap resusite. Donk pou kou pren sa, fok ap ap bien mesure, bien ime, rezureksyon kris. Li pa sepleman yon histwa de kadav. A ah, we. Li pa sepleman yon histwa de kadav ki retounen a la vi. Et pas salier, bien plus que ça. C'est pas euh, c'est pas tout, il simple miracle contrairement à l'autre à, 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 à l'autre monde qui était mort qui levé. C'est pas ça c'est-à-dire c'est une bien-aimé et c'est une entorse divine mais ponctuelle aux règles de la nature et salier. Donc si Lazare par exemple il qui retourné à la vie, il mourit à nouveau les mourir, tout bon. Là, les mourir, net allé. Même là tout le monde. Mais Jésus, il est réveillé dans le corps tout neuf qui pas mouru encore. La paix bon Dieu avait. Donc ça veut dire, résurrection Jésus fait partie, mes bien-aimés, de notre nouveau et plus élevé celui du monde à venir donc résurrection Jésus rentré dans le cadre de perspective la vie éternelle il payon simple exception à la règle mais c'est la manifestation d'une réalité totalement nouvelle donc cette création nouvelle que Dieu établira à la fin des temps c'est dans la perspective sa résurrection Jésus faite ce peu bon Dieu même là. Alléluia. merci seigneur donc, c'est, mes bien-aimés, même, même Jean à Lazare, Jésus retournait à la vie, dans un corps humain, ou capable de capable toucher, saisir. Pierre racontait même, il dit, nous avons bu et mangé avec lui. Après sa résurrection, Jésus a le même corps qu'avant, bien-aimé. L'hypothèse cicatrice quoi. Marque que Thomas demandé pour le toucher, pour le pour capable de croire, Mais en même temps, cet corps nouveau, doué de capacités nouvelle, c'est pas même mounan qui le veut. Comme pouvoir étonnant pour le paraître et pour disparaître à volonté, Jésus paraît, dit, et ça fait Paul le dire, il paraît à des centaines de disciples, sans limite de mur. Paske sa, sa detrakte yo tap di, detrakte yo tap di, son blof yo fe. Yo vole kwa, yo prel, yo seril pou yo kapap di l resusite. Se sak fe paret wè mè bin eme, li fe tout moun wèl, sinon yo tap krasen nou. Yo pa tap kwe lan, yo tap di e blofen nou ye. Yo tap di yo, yo prel kadav la, yo seril, epi kouni a bindi ke l resusite. Li fe mè bouch yo. À centaines de disciples sans limite de mur, sans limite de portes fermées, parce que dans le c'est un corps spirituel, et sa poldouille, et ça fait plus loin. L'on image, graine plante plantées qui plante en terre, et on, au verset 42, mais ça fait à l'île. Lidl. L'idée, ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé périssable, on se réveille. Impérissable. Alléluia... Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. Donc, mes bien-aimés, à la fois, euh, euh, même Et fondamentalement différent. Ça prend le mot valeur dans Dieu bon Dieu. L'orge Christ dans la vie ou pas même mon. Donc, c'est ça que fait dans l'imaginaire collectif ciel là c'est un côté nébuleux, côté monde, esprit immatériel, sans pas lien avec le corps physique. Si imaginez ça, un peu chrétien, qui ça vous fait, vous pas investi dans la vie matérielle pour vous consacrer seulement aux choses de l'esprit. Comme si appel à sur Christ là, il y a un devoir de dématérialisation. Non! Ou pas occupé de tête, ou pas occupé de problèmes matériels, uniquement de, de sujets spirituels en lien avec la foi. Wo. Non. Comprenez bien, le spirituel et le matériel, mes bien-aimés, yo fait partie d'une seule et même réalité. C'est la part des choses pour faire. C'est l'équilibre pour faire. Ou pas capable de retirer des chrétiens qui vivent comme ça. Des chrétiens qui dématérialisent. Il n'y a pas de matériel là du tout, parce qu'il faut comprendre à partir de l'enseignement que il faut comprendre que c'est spirituel. Il n'y a pas de matériel, matériel pas pour c'est spirituel seulement. Parce que nous devons ressusciter pour une vie incarnée, dans un corps spirituel, même Jean-Christ, euh, 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 pour nous capables de vivre la vie éternelle sur une nouvelle terre bien concrète, pas dans un ciel nuageux, mais bien aimé. Kroprenn byen, le spirituel e le materyel yo fè pati de yon sel e mem realite, ou pa ka retirel. Mem jan tout moun, pa esans, nou, 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 nou nab vive nan lachèr, lachèr agè bezwèl. Bon diyo kon sa, e sak fè li, li, li privwa tout bagay pou lachèr. Men, realite sa li fèt pou l'fè nou reflechi a chwa ke nab fè. Les pour nous faire nous réfléchir à décision que nous prenons. Les faits pour nous faire, réfléchir à décision que nous prenons par rapport à l'Évangile pour nous prendre l'Évangile très au sérieux et les fait nous réfléchir sur l'importance pour nous vivre en tant que témoin côté nous. côté Et je dis à frères et bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre en chrétien incarné, tête ou à des ciel, mais pieds au tes alliés. La paix bon Dieu à vous. Tête abgad en lait. Tête ou ciel. Mais pieds, c'est sous terre pieds. Et c'est dans le monde où on vit. Et c'est là pour fonctionner. Où on fonctionner jusqu'à ce que Christ ne vienne chercher Et c'est ça qui fait qu'il commence à y avoir des choses dans nous. Il dans Et c'est ça qui fait que nous le connaissons. Vive Il faut vivre de résurrection. Il faut vivre de résurrection Jésus au quotidien. Donc, c'est chaque jour pour vivre résurrection. Jean un pile monde, je faire nous comprendre, c'est chaque année Jésus mourit, donc il ressuscitait chaque année, loin de la pagne sa pièce. Il mourit une fois pour toutes, il ressuscite une fois pour toutes, pagne ça encore. Ou même, c'est pour vivre résurrection Jésus au quotidien. Et ça, que malgré tout ça, résurrection, hein, eh, eh, comprennent bien, c'est les patins qui ont des bagailles, mais qui, qui, qui sont trop loin, non pour impacter la vie chaque jour. Nous le ça. Résurrection Jésus, l'impacte, impacte, impact profond sur la vie aujourd'hui. Parce que avec lui-même, bon Dieu commence un bagage tout neuf dans le monde. Et ça fait et Paul exprimer dans verset 23, l el, l el dou, en parlant de la résurrection de Jésus comme prémisse de propre résurrection Non, Ça ça veut dire dans Israël de l'époque, mais bien aimé, il n'y a parlé de prémices. C'était euh, les prémices de grains de blé. Les prémices de grains de blé mûrs qui montraient que moisson était parée euh, pour engranger pour le poule fête. Donc c'est comme ça. Résurrection, Jésus, il marquait le début de moisson. Ça veut dire le, le début de la nouvelle création. Donc il a déjà commencé à faire résurrection, il fait dans une perspective nouvelle création. Perspective de la vie éternelle. Il toutes les en route Même bon Dieu est tenté de créer dans ce monde, dans la vie, nous, quelque chose de complètement neuf par l'action de son esprit. Et ça fait le apôtre dieu Si moon, le monde en Christ, il sait qui ça? Il tout neuf. Lisez vous l'autre monde. C'est ça, mes bien-aimés, parce que le travail, ça a commencé à déjà. Donc c'est une action souterraine comme celle d'une plante qui pousse dit Jésus, mais profonde, et qui s'achèvera au retour de Jésus. Quant à la mort, et ça que fait dire, quant à la mort et le mal seront définitivement vaincus. Voilà. Ça qui baille sens, frère, nous sommes bien aimés dans le Seigneur, à la foi que nous dit disons gagner, et qui rend, la foi que nous disons gagner dans, 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 dans mon Dieu, la foi que nous croyons en dans Jésus-Christ, et qui rend espérance non solide. C'est ça. C'est ça qui parle, mes bien-aimés. Et c'est exploit ça que bon Dieu fait. L'espérance de la résurrection, lui permet de nous changer le regard sur la vie. Nous, lui permet de nous changer le regard sur la mort. Et ça fait nous parler l'amour la mort, même à tout le monde. Nous pas à la mort, même à tout le monde, nous mêmes qui avons Christ dans la vie. Nous. La mort ne fait pas peur. Parce que ça a changé. Oui, non, ça la perspective là. Pour nous capables vivre pleinement, sans nous pas décourager, pas très très quotidien, pas de pression, pas de pression la vie, pas d'échec, pas de souffrance, pas de difficulté, ça n'a pas déranger, non. Parce que l'espérance de la résurrection, elle permet nous, au-delà de ce monde-là, à vivre là. Elle permet nous, au-delà de crise qui vient là, aujourd'hui. Elle permet nous, au-delà de difficultés. difficulté. Elle permet nous, au-delà de ce qui est dans monde-là. Et qui, voyez, nous, qui fait nous là, garder que changement qui a opéré dans nous-mêmes, au-delà de toute tombe, au-delà de tout tombeau de tombe que nous fermons là-dedans. Donc perspective infinie, la vie éternelle avec Christ. Espérance, résurrection, hein. Résurrection, c'est fondement. Espérance, nous. Lui, inviter nous en même temps à changer, regardons regard nou sur nous-mêmes. jodia j'en ouïe. Nous sommes des créatures merveilleuses, bien-aimées. Que bon Dieu racheté par la vie, il racheté non par la vie de son Fils, et que lui ressuscité, l'a ressuscité par amour pour le pas prenons avec lui, en changeant regardons sur la vie quotidienne non. Connaisse nous pas seuls, nous pas seuls, le ressuscité avec nous, Et il fait nos promesses à lui fait nos promesses à le pape quitter nous pour Il Lui avec nous chaque jour. En appuyer sur lui, je dis. En appuyer sur lui. Parce que le pape jamais abandonné. Il est là. Il sera là. Il sera toujours là. Vivant et puissant. Oui. Jean apôtre Paul dit. Parce que Jésus est ressuscité. Notre froid n'est pas vide. Si elle repose sur du vent. C'est celui du Saint-Esprit. L'Esprit de vie. Alors. En nous rester fermement attachés à bonne nouvelle, ça, En nous pas peur, En nous pas peur encore, en an nous pas peur vivre, en nous vivre pleinement, oser, en nous oser, en nous prenons en nous entreprendre pour nous innover, pour nous changer bagayo. Oser remettre, oser remettre, oser poser action pour le Seigneur. Oser travailler à la réconciliation. Oser partager. Oser remettre. Remé mon bon Dieu nous davantage. Parce que Christ ressuscité, il est vraiment ressuscité. Que cette bonne nouvelle remplisse nos vies quotidiennes d'espérance et de joie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus. Amen.